La police prend coup, la police prend frappe. Une autre fois encore, fanatique Joe Canel, Journal 9. 6 policiers ont seul coup tombé en bas balle bandit jodi an la dans lien cour. Oui, 6 policiers tombés en bas balle bandit jodi an la dans département la Tibonite dans lien cour après que bandi eux-mêmes ont fait plusieurs attaques sous commissariat lien courant. Fanatique Joe Canel, Journal 9. En pile moun ap mande kout bagay sa pale. Et effectivement, bagay yo grave nan peyi la. Situation difficile, bagay yo très grave façon policier yo même y a tombé dernier jour ça. Pas oublier, c'est vendredi qui saute passé là. 3 policiers étaient tombés dans Doko Métivier, dans Pétionville, dans cadre opération. 3 policiers étaient tombés. Et puis quelques jours après, pas même gen une semaine, pas même gen 4 jours non. Quelques jours après, ben 6 autres policiers tombés. Hein? Quelques jours après, 6 autres policiers tombés. Presque sur une semaine. Presque sur une semaine, 6 autres policiers tombés en babal bandit. Situation très difficile, très inquiétant. Et je dis là, ou kamande ou, nan ki niveau moral policier ou y. Ou kamande ou nan. Mais, ki den zo, dans un premier temps, nouvelle qui te sorti, c'est que, ben, te gon note la police là te mette dehors. Te gon note la police là te mette dehors pour le faire connait que dans affrontement qui te gagné entre monsieur yo, dans affrontement qui te gagné entre bandi ça vient avec policier dans lien cour, gen 6 policiers, gen 6 bandi qui tombé. OK? C'est note ça la police lui-même li te gagné mette dehors. C'est direction départementale la Tibonite qui te gagné mette note ça dehors côté il dit gen deux policiers blessés, gen 6 bandi qui tombé. 6 bandi dans gang ça vient qui tombé. M'va li note ça pour nous. OK? M'va li note ça pour nous. 2 policiers blessés, 6 bandi nan gang sa vient mourir nan yon attaque bandi contre commissariat Liancou. Ça est note la m'a pli pour nous. En tête là c'est direction départementale la Tibonite. Bon continuer li note la pour nous. Commissariat Liancou sibi 3 attaque bandi journée mercredi 25 janvier 2023. Premier attaque la fait bonnet nan matin à 7h dans localité Mouro. 3 bandi tombé, yo replié à cadavre nan base sa vient. Bataille sa dire inédit 45 minutes. Deuxième attaque la fête disait, yo prenon l'autre échec, yo couri quitter, yo kante yo te la donne, machine ça sous contrôle la police. Yo replié encore, bataille ça dirait 20 minutes. Attendez bien, oui, note la m'appelé pour nous. Troisième attaque la fête à 11h18 ak plus renfort. Yo attaqué sous deux fronts. Bataille ça dirait 2h temps 26 minutes. Gen 2 policiers qui blessés. 3 bandits tombés encore. Eh bien oui, ça fait 6 bandits. La police perdit 2 machines pendant que les policiers ont évacué confrères. Premier élément yo rapporté que balle qui blessait policiers yo c'est à calibre 9 mm que moun nan population li an kou k'ap apiye bandi yo t'a tiré policiers dans dos pendant y a combat bandi qui était en face yo. La police la Tibonite a préparé yon contre-offensive pour déloger bandi sa vient yo nan yon temps qui pas long. La police promet l'autre communication sur toute évolution situation nan lien coup. Direction départementale la félicité courage ak détermination policier nan lit contre bandi nan la Tibonite. Population a toujours rappelé le sacrifice nous fait, nous te fait pour nous permettre yo vivre libre ak déplacer tout côté yo besoin aller. Gonaïve 25 janvier 2023, service départemental communication la Tibonite. Est-ce que vous entendez? Donc ça c'est notre direction départementale la Tibonite te mette dehors pour le faire qu'on est que ben 6 bandi nan gang sa vient que la police fusillé après bandi sa vient te fait 3 attaques contre commissariat li an cour. OK? Maintenant, vidéo qui a circulé parce que nous même au niveau de journal 9 nous gè vidéo a, en pile monde qui sur réseaux sociaux gè tan wè vidéo a et vidéo ça nous pas ka poster là pour ou ka monter sur groupe Telegram journal 9 là. Cliquez sur link là pour monter sur groupe Telegram là pour ka wè vidéo a. Vidéo qui a circulé, c'est pas vidéo 6 bandits qui tombé, mais c'est plutôt vidéo 6 policiers qui tombé. 6 policiers en uniforme, OK, bandi yo retire uniforme yo sou policier yo, lè ou fin fizye yo, yo mette zam neg yo sou vant yo et puis a filmé yo. Image la triste, li montre à qui niveau
pays à lui-même, li contrôlé par les civils armés, li contrôlé par les gangs. Ça a montré que à quel niveau police là lui-même, li paraît impuissant devant groupe gang yo, devant groupe armé yo. Pas oublier Ariel Henry, li blé demandé communauté internationale là, voyez force étrangère vini. Voyez force étrangère vin aider la police là. Son façon pour le dire tout, la police là pas capable. La police est impuissante devant quantité groupe gang, devant quantité bandits qui a gros amlou dans le pays là. Mais effectivement, est-ce que désormais ça a pas prouvé que la police là n'est pas capable? Ou bien est-ce que c'est politique qu'a fait pour forcer est-ce que c'est politique qu'a fait tout pour forcer force étrangère débarquer dans le pays? Gros question. Est-ce que son façon pour nèg faire tout pour montrer que la police n'est pas capable, de toute façon faut que force étrangère débarquer dans le pays et pour qu'a forcer communauté internationale là voyer une force d'occupation, voyer une force militaire multinationale débarquer dans le pays là? Fanatique Jokane, Journal 9, Jean d'Abdoulan, pas oublier vendredi qui s'est passé là, trois policiers, hein, il y a monde qui dit c'est quatre qui étaient tombés dans doko dans échange coup de balle avec bandi. Policiers ça pour même enterré. Tenez bien, policiers ça pour même enterré. Et pour venir joindre jodi là encore, six autres policiers dans la Tibonite tombés encore en bas balle bandi. Bagayo triste, moral policier pas bon du tout, et nous pas voir ça parce que jodi là c'est une cérémonie hommage qui t'a fait dans le commissariat Pétionville avec policier qui t'est tombé dans Doko dans Métiville dans Pétionville, côté que Yannick Joseph, ancien policier lui-même, était venu bail visite dans le commissariat Pétionville là, gagné syndicat police nationale dans Sinapour parler, gagné plusieurs policiers parler, hein, dans occasion ça, et on parle de Yannick qui dit moral policier c'est un. Ça veut dire moral policier ba net plusieurs monde parler, on garde ensemble qui j'en sorti. Là je dis ma petite police que il y a pas pour caution. Moi toujours présent, moi toujours là. Moi tendez l'autre tolération, moi pardonne sous tolération. Donc ma toujours là, utiliser au RAM pour me capable pour aller avec police, pour aller avec monde qui veut tendre police. Parce que police est très vulnérable. La guerre police on s'avance sans accompagnement. Police au senti au compte, police au pas senti en confiance. Parce que les gars, on chef de troupe, faut que les policiers lui-même sentent qu'il y a confiance avec les gens qui sont responsables. Donc je dis, hein, bacade la police, hein, pas de confiance, ça, je dis. Et nous-mêmes, en dans l'institution, à savoir les policiers, ils sont supposés serrer la langue pour nous faire pinga pour nous dire nous-mêmes, nous ne pouvons pas mourir n'importe comment. Donc moi, vraiment, j'ai apprécié ça parce qu'ils ont vraiment demandé pour moi, donc moi fini. Moi, c'est parti, c'est ensemble avec eux et je comprends la frustration. Je comprends la dépression. Donc, en tant que maman pour eux, je ne vais pas arrêter d'indifférer ça que je ne vais pas arrêter d'indifférer ça que mon ami jeune. Parce que eux, je graille devant moi. Moi, j'étais obligé de faire le nécessaire pour être capable de jouer. Je dis, policiers qui sont dans la rue, à savoir, pas quatre la police, moral yo a un, m'a répété. Policier qui dans la rue, hein, moral yo a un. Donc si moral un policier qui porte des armes a un, ça veut dire attendre nous à n'importe qui éventuel. Pays a doit attendre yo à n'importe qui éventuel. C'est pas moi qui dis, selon sociologue yo, selon psychologue yo, moral policier yo a un. Ça veut dire toutes conditions réunies pour policiers eux-mêmes yo commettre des écarts. Je dis, on va quitter la police là, sur notre temps. Depuis qu'on pense à moun kap ge pou jije ou, ou agi, ou pas jamais trouver une obligation pour repousser action malhonnête que vous avez. Donc, policiers doivent comprendre, jouer tout civis, jouer mes dames, que moun ki ge vis a joué ensemble avec vous. Parce que force là, c'est eux même qui force là, et pas des gens qui ont campé devant force là. Donc, moi, je veux que chaque grand policier qui est dans la rue mette ça dans la tête. Je dis, il n'y a pas pour contre. Moi-même, personnellement, moi là, en tant que première coordonnatrice générale, premier syndicat de la police,
jeudi, je suis passé avec tous les policiers dans la police de Pétionville. Je suis très content pour l'accueil, chaleureux que vous avez moi. Je me sens vraiment fier et je suis toujours à côté de vous, sans moi. Comment vous pouvez vous dire qui fait partie de la population? Bon, ça que vous-même êtes capable de dire pour faire le courage. Parce que la vie, c'est une lutte. Monsieur, c'est combattant, il n'y a pas qu'il doit pour baisser les bras. Au contraire, c'est pour battre pour justice. Pour freiner mourir demain si Dieu est capable de faire justice. Pour ça, pas reproduire pour l'autre, pas mourir dans la condition. Je vais envoyer un message, bye, gouvernement. Prends pitié de peuple haïtien. Je dis à ce n'est pas des peuples, il n'y a pas de place. Je dis à nous, nous tous haïtiens, on nous voit demain. On nous collabore pour nous capables de changer le pays. Parce que Haïti, c'est nous pour changer. Avec tête ensemble, l'union, nous allons arriver à changer le pays. Madame, parlez de justice. Vous avez voulu s'étendre de justice, non? Bon, ça fait. Qu'est-ce que vous avez fait justice? Parce que l'État qui cause. Je dis, comment nous sommes capables de prouver nous pour chaque l'heure, nous avons quelques policiers qui prennent l'initiative pour combattre le bandit, pour mourir. Ça qui cause, c'est l'État. Nous disons l'État. Bon, nous saluons les amis la presse qui sont ensemble avec nous, qui toujours répondent présent à chaque fois que y a un genre d'événement. Eh bien, bon, vous connaissez que nous là avec un sentiment de regret par rapport avec ce qui s'est passé, puisque nous connaissons dans la date vendredi qui était 20 janvier 2023, il y a 4 policiers qui tombaient. C'est 4 policiers qui travaillent dans le commissariat de Pétionville. Maintenant, là, au niveau Sénapoa, nous venons nous déposer un jet de flèche. C'est dans la mémoire de collègues là que nous avons regardé là. C'est des gens qui baillent vieux pour être capables de sauver l'autre monde. Mais c'est bien dommage, c'est comme ça que monsieur est mort. Nous voyons ces parties nous, par les familles, par les amis, par les proches. Et nous sommes venus là tout pour nous rencontrer avec les policiers qui sont dans le commissariat Pétionville, parler ensemble avec eux, partager peine, douleur ensemble avec eux, garder comment l'état d'esprit est, comment la morale est. Et il y a des démarches que nous avons faites pour permettre qu'il y ait des psychologues qui voient, qui peuvent parler ensemble avec eux. Et nous, là, tout pour l'autre raison, pour seconde délégation qui a sorti dans la direction générale de la police, quatre gagnants pour nous rencontrer avec les policiers. Je dis à la, par rapport à ce qui a passé là, en dans le pays, dans la police, là, nous n'avons pas besoin des gens qui pour venir peut-être à mettre l'huile sous le feu par rapport avec ça qui là. Nous souhaitons que gagner un paquet de gens qui là qui pour encourager les policiers pour nous chiter à parler, pour nous monter moral les policiers, malgré ça, nous sommes des policiers, nous ne pouvons pas baisser les bras pour nous travailler. Et donc, même au niveau de Sénapoa, il n'y a pas que nous pouvons dans ces questions de dialogue. Et ça fait que présence nous là. Et nous, c'est un syndicat qui permet que la rencontre ça qu'a fait matin a gagné pour les faire parce que les policiers ont été en train de faire. Pas de ça fait, mais nous parlons ensemble avec eux. Parce que vous pas qu'à résoudre un problème par un autre problème encore. Faut une solution. Si vous avez un ensemble de revendications, ou besoin de passer, si les gens qui a venu là, ces revendications que y a venu prendre, faut qu'on mette dans une condition pour qu'ils soient capables de prendre. C'est pour ça qu'il fait nous là, bon, avec le drame qui passe, à que nous voyons, c'est parti, nous voyons, policiers. Merci. Merci beaucoup. Avec les policiers qui devront vivre chaque jour, qui devront travailler avec les policiers qui disparaissent là, les policiers qui portent disparition et les policiers qui assassinent. Dans mauvaises conditions que nous tous connaissons. Je dis à moi, c'est un moment pour tous les policiers qui sont unis, pour tous les policiers qui mettre la tête ensemble pour avoir une réponse avec ce qu'ils ont fait là. Sinon, si nous étions comme ça, nous suivons, nous tonnons ces gens qui vont décider pour nous tous avons disparu. Et c'est si gang est puissant, il y a pas le terrain et il y a des maîtres. Et nous-mêmes, si nous étions gardés, si nous ne prenons pas nous en main, en tant que monde qui est là pour sauver la vie, pour sauvegarder bien, sauvegarder vie et vie par nous. Si nous ne sommes pas prêts à décider nous-mêmes, qui est-ce qui a protégé le bonheur? Donc, moi, ce jour-là, il est le temps pour tout policier pour conscience, pour vous croire, c'est eux-mêmes qui vous font autoprotection. Merci. Monsieur, police pour la vérité, commandant, est-ce que l'opération a été planifiée? Bon, je ne vais pas vous opiner sur ça. Je ne vais pas vous opiner sur ça parce que vous avez traversé déjà.
quel que soit ça, on monte à carte là, bien ou mal, nous-mêmes nous va pas cacher ce cadavre. Mais nous avons besoin de vérité, à pays, à besoin qu'on s'accasse. Vérité à l'État-Major Kabaye. Vérité à l'État-Major Kabaye. Parce qu'il y a une opération planifiée, nous-mêmes, policiers, nous connaissons. C'est qu'il finit de faire dans le moment même qu'il y a une opération. Donc, si l'opération est planifiée, ou pas planifiée, c'est l'État-Major avec CPA là, et avec le DO1 qui connaît. Comment vous pouvez expliquer la population avec la presse, le pays en général, la population s'il est planifié ou il n'est pas planifié. Voilà, on s'attendait différentes déclarations dans l'occasion côté que gon hommage qui t'a pris la police qui est tombé dans Pétionville, hein, ça c'est vendredi jeudi là. Est-ce que six autres policiers tombent encore jeudi là, ça veut dire est-ce que nous allons marcher faire hommage aux policiers ou bien est-ce que une décision qu'a prend définitivement, est-ce qu'on a une décision qu'a prend finalement, OK, pour freiner cause gang, freiner cause banditisme, mais je dis là, est-ce que policiers ont moral toujours pour bataille? Bon, Yannick se dit moral policier, a dit moral policier pas bon même. Surtout vinn jwenn jodi an la six autres policiers tombent encore. Qui jodi policier pral sentil? Après, nèg yo pou ko même fin fè deuil. Trois policiers Pétionville pou ko même enterré. Kounye a mege six autres tombé encore dans la Tibonite. Ay yo grave, Frantic Joe Canal Journal 9. Et sous dossier policier Pétionville, ça qui tombé doko yo. Ki den dou gen parole parce que ou commandement police nationale l'assemblée gen gros problème de. Ou même sot et pas sans raison sot li note là pour nous. Kounye m'explique nous que direction départementale la Tibonite sorti note di gen six bandits tombé et puis les vidéos sorti nous c'est six policiers tombé. Maintenant pas oublier porte-parole la police là des responsables dans la police là t'a dit que en ben opération de quoi pas planifié c'est policier qui a pris l'affaire par yo c'est pas opération qui t'est planifié en ben selon SPNH 17 on l'autre syndicat encore dans la police là son opération qui est belle et bien planifiée et on fait qu'on est même si opération pas planifié job la police là c'est protéger et servir depuis qu'on monde qui en difficulté encore plus si c'est un policier yo doué à le porter le secours en dedans on l'autre responsable dans SPNH 17 Vous voulez qu'il y ait plus d'informations pour qu'on ait qui gens s'attendent, qui savent, qui passent. Donc hier, nous étions là hier, jeudi, nous là encore. Nous venons accompagner les policiers. Et nous avons dit nous là que SPNH 17, au moment où je parle à la service de communication, secrétariat SPNH 17, de conseil avec avocat, nous, yo a pral écrit inspection générale pour demander pour prendre mesure contre commissaire Aladin, qui était responsable commissariat, et DDO. DDO 1. Non seulement pour yo retirer de responsabilité yo, et deuxièmement, il faut gagner des suites, des sanctions pénales. Parce qu'il est dit clair, et il dit après nous, sa académie, et il dit que refus d'apporter d'assistance à une personne en danger, c'est une infraction prévue par la loi. J'en ai dit hier, là, et que les DOT là, commissaire Aladin était là, les tout monsieur après les a demandé secours. Pas gen yon qui devait porter secours. L'autre policier qui était là qui va même tap travail, qui vient là, qui tente des bagages là, qui vient pour venir bailler. Policier aide pour aller retirer. Comme pas jamais capable oublier phrase sa déclaration. Luc Eliezer tap dit policier yo. Monsieur, me connaît nous pour une bataille, me connaît nous ka bataille. Moi gagné yo ti monde qui gagné 3 mois. Est-ce que n'a quitté mourir monsieur? Venez de nous, mais nous pas avancé sur nous, mais nous envahi nous. Eh bien, le commissaire Aladin n'a pas voulu par les âmes pour monsieur Al sauver les gars. Le plus triste dans tout ça, c'est que lui allait dans l'armurerie, lui ouvert casé pour montrer que par les âmes. Les policiers ont persisté. C'est là ça, la louvée machine. Les machines ont gagné 5 âmes là-dedans. 5 fusils. 5 âmes longues, 5 manches longues. À toute munition là-dedans. Et donc, les quittés policiers ont mouru. Ça veut dire que non seulement ils font commettre une infraction parce que ils ne peuvent pas aider les policiers, ils ne peuvent pas porter secours avec les policiers, qui c'est frère Damio,
Et yo dit nous académie, ou te met pas en uniforme, ou dans la rue, ou j'en ai un monde qui a besoin d'aide. Et tant que policier faut bal aide, faut porter l'assistance. Ou pas porter l'assistance, son infraction que nous. Lui commet infraction, ça fait une. Et deuxièmement, le fait que ça me dans la machine, il pas de baille, son acte de complicité. Et donc, nous-mêmes en dedans, est-ce qu'il y a 97, nous mentons et nous commençons à écrire là dans le moment, instruction générale, non seulement pour saisir le dossier, et deuxièmement, prendre mesure contre tous les deux et responsables ça, qui c'est CPA et DDU. Et nous-mêmes, au niveau SPNH 17, avec de concert avec les policiers, nous accordons à l'institution 3 jours francs pour prendre toutes mesures et pour toutes les bagailles dans le commissariat après tout le monde. Mais qui est-ce que si 3 jours ça va, ça n'est pas fait. Comment? Après tout ça qui est passé, là, on a pris le policier et prend le pour sécuriser le carnaval. Bon, sécuriser le carnaval, là, il est rentré dans 4 travail policiers. Ok, c'est ordinairement, c'est qu'on s'est toujours eu, qu'on s'est toujours fait. Donc, ça arrive que les policiers ont des broyes, ont des frustrations, mais ça va empêcher que vous faites devoir. Ok, il faut que vous fassiez devoir. Ça arrive que nous tellement crié, nous tellement demandé, nous tellement dit, mais qui voulait nous dire, mais ça nous besoin, va occuper nous. On est capable de choisir et prendre décision, soit pour. Pour camper travail pendant un certain temps, là encore, toute institution va camper travail. Ok? Donc, la fête graduellement jusqu'à ce qu'elle arrive à 100% si on occupe. Si 3 jours à passer, rien pas fait. 3 jours à passer, rien pas fait. De conseil avec les policiers. Tu as toujours été avec les policiers. Là, pour l'autre niveau, je dis à ces commissariats qui étaient inactifs, ces policiers qui parlent travail, qui parlent pas dans la rue, ils sont frustrés. Mais là, pour l'autre niveau, pour c'est là, rien n'apprend. Aussi simple que ça. Est-ce que vous pensez? Je ne pense pas ça, parce que le commissariat a un effectif, la base a un effectif, ok? L'on dit base, c'est-à-dire toute unité a un effectif. Donc c'est un problème qui est plus haut. Qui était au niveau de haut état-major là. Ok. C'est ça que fait. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons qui fait que. Je me suis dit tout à l'heure. Je supposais décharger des responsabilités. T'es DDO ou pas DDO encore? T'es CP là, pas qu'à CP encore, ça c'est une. Et deuxièmement, il faut y aller à l'inspection générale. L'inspection générale a fini de faire ça, elle pour le faire, en niveau, parce qu'il faut que administrativement, les choses soient faites, faut que les décisions internes le prennent. Ok? Isolement, pas rien connaître. Après ça, je me suis dit, selon. Ça, la loi lui-même n'y prévoit pour complicité et ensuite refus d'apporter l'assistance à une personne en danger, c'est pour l'aller et le pénitencier, il faut qu'il y ait le pénitencier. Et c'est pour ça la coupe. Oui, il y a une opération. Ok? Et ceci, nous t'ai dit hier, et ça que nous surtout demandé pour le commissaire là, lui capable de clouer, parce que classe Stanis, il était en communication permanente avec elle. Sur un numéro V37, qui finit par V37. Il était en communication avec lui. Donc, pour y aller, il a fait des échappatoires, il a retiré le corps pour dire que il n'y a pas d'opération, c'était affaire personnelle. Et même si c'était affaire personnelle, est-ce que un policier n'a pas le droit à porter assistance avec un policier qui est en danger? Pour nous, qu'à porter assistance avec des citoyens
N'importe qui citoyen qui a voté à ce un citoyen pareil est en danger. Qu'en est-il de un policier pareil, un policier avec un rôle de policier? Donc, c'était une opération belle et bien planifiée. Moral yo à zéro parce que tout simplement le poko ouais commissaire Aladdin et ensuite et DDO nous va courir aller dans l'isolement. C'est commencer dans l'isolement. Ok, c'est ça toujours fait pour argent yo, c'est ça pour faire pour ni monde qui regarde yo tout. Mais commissaire va mettre pied dans commissariat. Il va mettre pied dans la commissariat. Voilà, ça c'est déclaration yon l'autre responsable dans SPNH 17 qui c'est l'autre syndicat gang dans la police là qui fait qu'on est ben opération était belle et bien planifiée et fait qu'on est qui pral attaquer en justice ben Aladdin comme c'est Aladdin ensemble avec DDO1 qui au même pas de responsabilité yo qui quitter policier mouri parce que policier font bon temps à demander renfort pas jamais arrivé fanatique Joe Canel journal 9 situation triste policier au même c'est KI bandi au même dans dernier jour ça là c'est KI y a KI policier yo c'est jeté y a jeté yo youn après l'autre y a jeté yo pas pile y a jeté yo pas ban c'est pas c'est comme ça trois quatre policiers mon seul coup mais je dialogue 6 autres policiers mon encore wa mando qui ça nek ça faire payer wa mando qui ça passé la police là comme ça qui ça fait la police là paraître aussi impuissante face aux gangs armés. Est-ce que finalement là, c'est pas une force multinationale, une force militaire qui a dû débarquer dans le pays là pour venir aider la police là répondre avec puissance? Bah, elle a difficile. Gang tout côté. Gang dans Pétionville, gang dans la Tibonite, gang dans au Cap, dans Port-au-Prince même, regardez tout Port-au-Prince là net quand va. Il est difficile pour la police là. Il est difficile parce que la police là lui-même bandi sont pas quelques gros armes de guerre qui gagne dans mayo, des gars vont pas quelques vieux blindés ba nous. C'est vrai nous mal utiliser parce que en pile monde qui t'a dit nous blindé parfait pour ça. Mais là bagaille compliqué. Bagaille très compliqué fanatique Joe Canel journal 9. En tout cas, ou qu'on formule déjà, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur la petite cloche pour toujours recevoir notification chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter. Suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours vidéo bagaille 9 pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour encourager bel travail, information, sans camper journal 9 à faire dans tout pays. N'a pas là avec vidéo aussi là.